Welcome to SNB News, people. Like, share. I'm on the streak, baby. We are back. Là, on est à la section NFL, NBA. Tantôt, j'allais parler pas beaucoup parce que c'était pas professionnel sans queue. Là, le professionnel, NFL et NBA. Donc, guys, comme j'ai dit, la game est on. C'est 17 à 10 présentement. Oh, god damn. OK. Là, on va avoir des réactions. Là, on va avoir des réactions. On restait professionnel tout à l'heure. Mais toi, tu vas être, on s'en va au half comme ça, là. Oh, on s'en va au half. Ouais. 17 à 17. 17 à 10 pour mes Eagles. 17 à 17, j'ai dit, excusez-moi. Je suis trop excité en ce moment parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, les Dolphins vont avoir la balle second half, ils savent qu'ils vont scorer le first drive. Absolument pas. Ok, garde-la. On mène à la game, hein. Tu vois, la fois que la logique, ça va être 34 à 20, on a su gagner. C'est logique. Bon, pendant la game joue, on va rester focus sur les questions d'aujourd'hui. Il y a eu plusieurs autres games. Il y a eu des games incroyables cette semaine. Je pense que la première game incroyable, Browns versus Colts. La game que personne ne s'attendait à ça. Oh, personne ne s'attendait à ça, mon gars. C'est un spectacle. Dick Minshew. Oh boy. Sorry for the slur. Go ahead, Spenty. Ok, shit. Il y a eu une bonne game. Ouais. C'est plate que ça a mal fini. Deshaun Watson était out. Ils ont donné une commotion. Le rookie a step in. Walker, il a conclut la game. Moi, j'étais surpris que les Browns... En fait, j'étais surpris la game au complet, j'étais surpris. L'offense, c'était des offenses partout, la run partout, des passing plays. Amari Cooper s'est réveillé second half. C'était big play after big play. Puis si tu pensais que les défenses jouaient pas bien, mais si c'était pas un big play, c'était un turnover. Ou un big sack. Donc, c'était juste des big plays tout le temps. Ouais, tu regardes la game, les gens vont dire, hey, comment les Browns ont comme joué contre les 49ers, ils ont bien defend, puis là, ils prennent 30... 35 points par les Colts. Yeah. Mais tu regardes ça, si c'était pas de la defense des Browns, comme si c'était pas dans la game, genre, les Margaret était everywhere. Oh. Les gars ont fait un fumble return pour touchdown, 3 sacks, je pense 2 interceptions. Comme les gars arrivaient pas, comme si c'était pas de comme la defense, malgré qu'ils ont pris genre 30 points. C'est fou à dire, 38 points. Ils n'allaient pas gagner cette game, genre. Non. Parce que Deshaun Watson est parti mid-game. Là, il jouait à Walker. Puis je pense pas que c'est un rookie. Il me semble que j'ai déjà joué à Panthers. Je sais pas pourquoi ils ont pas joué l'autre, le rookie qui a joué la semaine passée. C'est lui que je pensais qu'il avait joué. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas joué lui. Moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais je pense que c'est comme un simple up-down. Comme ils ont gagné contre 49ers dans le meilleur team. Ils ont regardé les causes, ont dit. Les causes, Deshaun Watson revient. Ah, on va les péter. Non, c'est pas comme ça. Non, je suis pas d'accord. Je pense que les Colts, c'est une très bonne équipe de football. Tu regardes leur line-up, là, ils sont quand même stacked. T'as Pittman, t'as Taylor, t'as Moss, t'as Nelson. Quentin Nelson, c'est le meilleur offensive line de toute la ligue. Pour ceux qui sont de la misère à regarder leur offensive line play, il est dominant. Je pense que c'est une très bonne équipe de football. Il manque encore le quarterback. Gardner Minshew is a good enough quarterback pour gagner des games de football. Exactly. Gardner Minshew, c'est comme, j'ai entendu Frank dans l'épisode dire c'est le meilleur backup de la ligue. C'est effectivement le meilleur backup de la ligue. C'est un borderline starter. Puis, je sais pas, Cleveland, c'est quand même une équipe overrated. Je pense que c'est plus les Niners. Les Niners, là, c'était contre les Cleveland. C'était une game dans la pluie, la grosse pluie, la boue, tout ça rend les games tight automatiquement. Je pense que Cleveland, c'est pour ça. Je pense pas que Cleveland sont si bons que ça. On va revenir en Deshaun Watson plus tard. Ouais. Mais Myles Garrett a littéralement gagné cette game à lui tout 100%. Seul. Absolument. Je pense qu'il a fait quoi, 3 sacks. Un de ça, c'était un sack dans la zone. Donc, il a donné un TD. Donc, ça, c'est 7 points. Ouais. Il a bloqué un field goal. Donc, ça, c'est 10 points de revirement à lui tout seul. Exact. Il était partout. Insane, Myles Garrett. C'est une grosse game. Il a battu le sack record avant 28 ans. Exactement. Il y a 68 sacks, je pense. 81 sacks. Il n'y avait pas eu un an si je vois plus en plus. Oui. Il n'a pas joué pendant un an, il s'était blessé. Ouais. Bon, en tout cas, il a manqué une année, je sais qu'il a manqué une année. Puis il a still battu le record. Il avait été suspendu pour le coup de casque pendant le mid game. Ouais. Miles Garrett devrait être aussi en prison, on va se dire. Mais c'est un détail pour une autre fois. Donc, avec la performance que Miles Garrett a donnée, est-ce qu'on peut dire que cette saison, je parle, sans exagérer cette saison, il est meilleur que TJ Watt, Nick Bosa et Micah
Absolument pas. Absolument pas. First of all, quand j'ai vu ce line-up-là, first of all, tes trois firsts, là, tu es en train de me dire que c'est les trois meilleurs defensive end de la ligue, les trois meilleurs pass rushers de la ligue. Présentement, tu sais qu'on en dehors de TJ Watt, là, t'es dans les patates, mon ami. Dans les patates. Dans les patates. Yo, Micah Parsons n'est même pas proche d'être là encore. Tu veux savoir c'est qui les leaders en sac présentement dans la ligue? Ben, t'as TJ Watt puis Danielle Hunter qui lead la ligue en sac, sont tied for first, ok? Danielle Hunter est tout le temps des suspects parce qu'exact, il joue pour les Vikings, personne ne sait c'est qui. Il va se faire trade cette année. Il va se faire trade cette année avant la fin de l'octobre. Puis là, soudainement, tout le monde, il est Defensive Player of the Year candidate. Ok? Après ça, là, Avant cette semaine, nous, t'as Khalil Mack, t'as Josh Allen. Josh Allen, c'est la même chose. Josh Allen est une machine. Mais il joue au Jaguar, fait que personne ne le sait. T'as Trey Hendrickson, qui dead, le gars avec les Bengals. Non, mais je comprends pas. Micah Parsons puis Garrett, là. Comme Garrett, oui, je crois, il est dans la conversation. Micah Parsons n'est pas encore là, là. Micah Parsons, every damn big games he had to play, he didn't show up. Okay. Michael Parsons, il feed sur les petites attaques qui n'ont pas d'offensive line. That's what he feeds on. But once he faces Trent Williams, the man disappears. Zero pressure, zero sack, zero tackles. Triple-double. Okay. First thing first. Comprends ton énergie. J'ai pas respecté ton boy Hunter, que j'ai pas respecté ton boy Hendrickson, que j'ai pas respecté... Ton propre boy Hassan Reddick, mon cher. Que j'ai pas respecté mon boy Hassan Reddick, number 7 Eagles. But, la question est-ce que Margaret est meilleure que tous ces joueurs-là que tu as nommés? Non. Ça veut dire que cette saison, Hunter a fait un block field goal, un three sacks et un touchdown. Est-ce qu'il a fait ça? Non. Est-ce que ton boy il a mené un touchdown. Est-ce que non, réponds ma question. Margaret a joué la game de sa vie. C'est pas une saison, ça? Je veux juste te dire que, ok, t'as raison, mais. Encore une fois, on va se dire, les Colts, c'est pas une équipe dominante non plus, là. Ok, est-ce que Hunter, Hendrickson, cette game-là a rien fait? C'est ça, tu prends une game. Moi, je prends le volume. Le volume à la fin, moi, je prends le volume de la saison. Pas le volume d'une game. Mais moi, je te pense seulement que présentement, Mario a joué des bonnes games. Les gars que Laurent a dit, Hendrickson, il était dans les Saints, comme c'était ma gars, je sais pas pourquoi on l'a laissé partir. Parce que c'est un gars qui il rush, mais il n'arrive pas toujours à faire le sac, mais comme c'est le premier arrivé. Laurent a nommé des gars, puis même si tu me dis que personne fait ses stats contre des vieilles O-line, qu'ils peuvent game wreck une game à eux tout seuls. Il n'y a personne qui est dans la stratosphère de TJ Watt. Non, c'est pas ça. Si. Mais le gars qui a dit, c'est les gars qui font ça. Comme Hunter, là, my bad. C'est comme moi, je sais c'est qui. Mais un bon design. Je sais qu'il se prend une game à lui. Puis je le prends pas avant TJ, je le prends pas avant ces gars-là, mais je suis juste en train de dire que Hunter présentement, parce qu'il n'est pas à ce niveau-là. Mais il a la saison de sa carrière et il joue mieux que Garrett présentement. Mais Garrett est un meilleur joueur pareil. Mais TJ Watt, tu prends le volume. Mais c'est pour ça que je te dis, prends le volume au complet d'une carrière. Il n'y a personne qui est dans la stratosphère de TJ Watt. Si tu regardes sa liste, puis même pour le Defensive Player of the Year, les games record, genre. Ils veulent pas du gars qui, comme tout d'un coup, il a fait 12 sacs, puis. Ok, c'est un blip. Ils veulent les gars que comme à lui tout seul, il change la défense. Ok, ils veulent un gars que comme tu peux mettre 4 pinots à côté de lui. Il fait ses affaires. Puis oui, Miles Garrett peut-être qu'il fait ses stats ou Michael Person fait ses stats contre des pinots, là. Des gars qui peuvent pas bouger, des Evan Neal dans chez les Giants. Mais yo, quand il est là, il fait 3 genre. C'est ça. Je serais pas honnête. Moi, je pense qu'on met trop d'emphase sur les pass rushers, justement. Ouais. Parce que là, on regarde tous les top pass rushers qu'on a nommés. Des gars sont arguably des gars dans des équipes qui vont même pas faire les séries. C'est le seul que tu vas t'en nommer. À part Nick Bosa, et à part Michael Parsons. TJ Watt, ça se peut qu'il fasse pas les séries. C'est ça, j'ai dit borderline. Le meilleur joueur défensif sur la planète présentement. Après, TJ Watt est là-dedans, mais c'est Fred Warner. Absolument. Présentement, cette saison, même les saisons avant, il était toujours constant, mais cette saison, je suis d'accord avec toi, Fred Warner est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur de ça. C'est un missile ambulant. C'est un missile qui nord-est, sud, ouest, c'est pas important. La position qui jette, la position la plus importante à terre, c'est D-line, c'est le pass rusher. Le plus important, c'est QB. Qui emmerde le QB le plus? D-line. Fucking D-line. Ils vont mettre plus d'importance sur le pass. Absolument, on le voit dans le draft. Fred Warner, même s'il est le meilleur joueur de la team en défense, ils vont still parler de lui pour ça plus que lui. Je suis sans avec toi, puis ça fait du sens, mais je pense que c'est justement, là, on en met peut-être un petit peu trop.
Parce que là, tu réalises que, hey, avant, tous tes top D-line étaient vraiment dans les meilleures équipes. Là, tu réalises que maintenant, il y a plein d'équipes qui sont allées à fond. Dans les top D-line. Dans les top D-line. Ouais. Mais c'est à cause du draft. Mais bref, pour répondre à la question, est-ce que, présentement, il a dépassé TJ Watt? Non. Moi, c'est non. Je trouve ça, tout ça pour que tu sois rien à l'autre. C'est fou. Hein. Est-ce qu'il faut lui prendre mon pas quand même? On doit lui prendre mon pas quand même, mais non. TJ Watt, en effet. Mika, oui. Nick Bosa, oui, mais TJ Watt, non. Parce que TJ Watt, on le voit que sans TJ Watt dans les Steelers ne seraient jamais proches du 500. On voit les games que TJ Watt sauve par lui-même. Là, c'est ma réponse. Ouais, c'est d'accord avec toi. Miles Garrett a prouvé beaucoup plus souvent que he's that guy que Micah Parsons. Mm-hmm. Donc, il y a un plus gros pedigree que Micah Parsons a eu en 2 ans. Parce qu'il est là plus longtemps. Ouais, exactement. C'est juste pour ça. Ben, en fait, Micah aussi. Moi, je vais aller avec Micah avant Garrett. Oh. Puis c'est juste. Non, mais je vais vous donner pourquoi. C'est juste, j'ai besoin de le voir plus qu'une année. Okay. Moi, pour moi, cette année, c'est la première année que Garrett fait ce qu'il a fait. Chaque année, on est. Ça fait comme 3 ans qu'on fait le podcast maintenant 2 ans 3 ans 3 ans. Puis je me rappelle la première année, t'étais un gars, t'étais sur la défense des Browns. Mais oui! Et Garrett, il était pas là, là. Comme, facts. Il était pas là de carry. T'as raison, facts. Puis, cette année, c'est la première année que je le vois vraiment le faire. Puis moi, je suis un gars, genre, j'ai dit, je vais pas avoir un blip, oh, je l'ai fait. Puis l'année d'après, tu te fais smack, tu te fais rouler. Mm-hmm. Donc, j'ai besoin qu'il fasse une autre année. Puis s'il le fait next year encore, je vais tout de suite le mettre comme number two. J'ai vu un peu Parson faire un peu plus dès qu'il est arrivé comme rookie. Même s'il est dans les Cowboys, il joue dans une division qui est quand même louche. On les appelait NFC Least dernièrement. So, not anymore, NFC Beast. Oh, non, non. You remember that? But, à cause de ça, je vais mettre Parson un peu au-dessus Garrett. Un peu. Mais si Garrett, next year, revient et fait la même chose, Garrett est au-dessus. Garrett, mon problème, c'est pas le savoir ça parce que tu serais pas le joueur le plus jeune à 30 à 80 sacs ever sans avoir eu un game record, exactement. Puis Garrett, c'est chaud qu'il affecte la game autant mauvaisement que bien. Je pense qu'il lead la ligue depuis qu'il est entré dans la ligue en roughing the passer. c'est un facteur, ça aussi. C'est un facteur. Donc, il va wreck la game autant positivement que négativement. Micah Parsons, encore pas mon problème, c'est que Micah Parsons, je pense qu'il est a couple years away. Mais ce qu'il me faut qu'il monte, parce qu'il est bourré de talent, il a le talent pour être le meilleur joueur défensif de la planète. Oui. Sincèrement. He doesn't have enough dog in him. Il a le talent, mais il manque de chien. Il manque de chien. Je juste que c'est drôle qu'il jappe. À courir sur lui. Ben, je sais pas. Ben, tu vois, tu peux courir dessus. Il jappe après son podcast, c'est Niners, ouais, mais il jappe pas sur le terrain. Mais c'est parce que c'est fait piller sur le terrain. Ouais, exact. C'est parce que. Oui, c'est fait piller sur le terrain. C'est ça quand même quand tu joues pour les Cowboys. Oui, je veux l'explication. Pourquoi il s'est fait piller sur le terrain? Il s'est fait piller sur le terrain parce qu'il joue contre CMC. Non, il s'est fait piller sur le terrain. C'est un CMC, puis t'as Trent. Mais pour l'aider, pour le coaching aussi. À un moment donné, quand il s'est dominé par Trent Williams, qui est un first ballot Hall of Famer, mets-le à gauche. Arrête de t'obstiner à la première saison. C'est la semaine d'après. Après, tu je vais la c'est ça que j'allais dire. Première saison, il changeait de position, puis tu vois que c'est qu'il a mis sur la map. C'est vrai qu'il pouvait jouer linebacker, il pouvait jouer. Je veux pas être méchant, il se faisait abuser en mettant la macule. Ok, regarde. Il était là qu'il fallait faire les pick-ups. C'est pas fâcheux, mais quand il devait faire les pick-ups sur run, il était présent. Il faisait ce qu'il devait faire, il arrêtait la course. Il avait une facilité à retirer. Il avait beaucoup de progrès à faire. Oui, il était capable de facilement retirer le O-line quand c'était une course qui venait sur lui, parce qu'il est quick hands. Toutefois, mais Parsons, s'il n'y a pas le dog en lui, d'accord, je pense que c'est un des gars de la génération de nous. It's more about the fame and the money to the game. Bon, je ne vais pas dire ça encore parce que quand ça prend trop loin. Je sais pas si le kid est le même, mais Nicky avait un bon point que les Cowboys s'apprennent à être comme ça. C'est la troisième saison, mais quand tu es dans les Cowboys, yo, c'est top. Bro. C'est top parce que comme il y a une culture qu'ils pensent qu'ils sont déjà là. Mm-hmm. Ils sont pas vraiment comme... Tu vois, même maintenant, les Cowboys pensent vraiment qu'ils sont genre la meilleure team de la NFC. Ils là. Sont contenders. Comme... Oh, ouais. Moi, tu sais qu'ils ont des méga flaws, puis qu'ils ont dit en playoff, on se faire expose. Mais eux, ils sont pas mal. Ils sont... We're one player away. Chaque année, one player away. Chaque année, surtout, ils pensent... Ça fait trois games de suite contre les Niners. Ils sont comme, we'll see you next time. Ouais. Mais ils ont perdu trois fois de suite. C'est comme, when's the next time? All right, next question. Est-ce que Mitchell Gardner devrait être starter dans une équipe de la NFL? C'est Gardner Minshew? Gardner Minshew. Over Baker Mayfield any day of the week. Over Derek Carr any day of the week.
Damn, man. Over Jared Goff any given week. No, 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 no. No, no, no. Non, That's all I'm saying. Il devrait être un starter. Je sais pas pourquoi les teams ne lui donnent même pas une shot d'être vraiment un starter. Comme durant l'off-season, il y avait beaucoup d'équipes qui avaient besoin de QB. Puis il a fini avec les courses. Puis tout le monde savait que les courses allaient draft un QB. Puis les courses ont tout de suite mis Richardson. Là, ils ont pas dit OK, battle it out. On va voir qui est le meilleur. Ils ont dit non, Richardson, c'est toi le. Richardson n'a pas eu une mauvaise début d'année. To be fair. Mais Gardner Minshew est arrivé et il a mis des stats. Une chose aussi, Richardson, coming out of the draft, beaucoup de gens disaient qu'il était talentueux mais raw et aurait pu attendre un petit peu avant de voir du terrain. Fait que ça aurait été, Gardner Minshew était parfait pour jouer une saison. Moi aussi, je trouve ça bizarre, c'est plate, Richardson s'est blessé. Gardner Minshew, oui, il est un starter. Oui, il est meilleur que environ une dizaine de QB dans NFL. Mais le problème avec Gardner Minshew, c'est que tu sais qu'il n'est pas assez bon pour te... C'est vrai! Non, mais il n'est pas assez bon pour te mener où tu veux. Et la pire place que tu peux être dans NFL, c'est le bubble en dessous du wild card. Si tu manques une série par une game, c'est le pire spot que tu peux être. Ah, parce que tu t'amélioreras pas beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que si tu sais qu'avec Gardner Minshew, tu vas te rendre là, rendu là, prends un Zach Wilson, prends les restants là, de qui reste, puis arrange-toi pour aller chercher Caleb Williams, tu sais. Ouais, je comprends. Comme... Ah, moi, je prendrais un hard pass sur Caleb Williams. Oh! Hard pass, mon gars. Une conversation. Ça, c'est une autre conversation. Hard pass, OK. Moi, c'est déjà un barré, mon gars. Barré! Je veux pas dans mon team. Mais que ce soit Caleb Williams ou pas, le QB que tu veux. Tu peux aller là, tu comprends ce que je veux dire. Fait que Kirk Cousins aussi, un petit peu de même. Dak Prescott est même. C'est le genre de QB que c'est les pires QB que tu peux avoir. Parce que c'est juste assez bon pour être compétitif, mais pas assez bon pour gagner. Mais Kirk Cousins, s'il y a une bonne team, il faut l'offensive line. Pour moi, c'est post-injury. Dak, pré-injury et post-injury, il n'est pas le même joueur. Je suis désolé. Mais Minshew, je ne sais pas comment il jouerait si elle... comme si c'est lui qui a la place de Brock Purdy. Il joue aussi bien. Je veux dire, il joue aussi bien. Dans une équipe comme ça, il joue aussi bien. Là. OK, on va dire les Saints. Parce que... Moi, je pense les Saints, je trouve qu'on a une bonne team. Mais vous avez deux corps. Non, j'ai pas deux corps parce que moi, j'ai pas consigné ça faire là. Okay? J'ai même dit que j'ai call Atlanta pour gagner la division parce que. Je suis prêt à dire qu'il est meilleur que deux corps, mais je peux dire que deux corps, j'en ai déjà assez bu. Dans le Minshew, j'en ai encore plus à voir. En plus, je dis pas qu'il est meilleur, mais avec les weapons que comme il l'aurait. Je pense qu'il ferait mieux avec. Gardner Minshew a des gros weapons aux Saints. Ouais, mais je pense qu'il les utiliserait comme. Mieux. Je vais pas dire mieux, mais juste comme. Il ferait pas les affaires. Je veux dire mieux. Non, Derek Carr fait juste des affaires stupides, genre. Je pense pas que Minshew ferait ces affaires stupides-là. Il serait plus safe, comme un Brock Purdy. Mm. Voilà. Oh, il a chaud des nice things. Il devrait faire un temps. Derek Carr, c'est probablement un des plus overrated quarterbacks dans les 10 dernières années. Ça n'a pas de bon sens. Washed up. Quand j'ai pris le train avec lui, j'ai compris real quick que c'était une mauvaise idée. Là, t'es un gros rated guy. Donc, moi de mon côté, Spenty a dit ma réponse. Elle, ça fait pas de sens que il soit pas, moi, toutes les autres Fatra, Fields, Wilson, Mac Jones, etc., qui sont started over lui. Même que Minshew est venu de quelle équipe, si quelqu'un peut me le dire. Il a l'air pas voir l'année passée. Je comprends Lawrence Ball, mais les Bears auraient dû le prendre. Les Jets, mais pas à cause du Rogers, mais Patriots aurait pu le prendre. Comme, je comprends. Je sais que Minshew, il fait pas certains schemes. Right? Il doit faire un scheme qui, comme Patriots, je dis Patriots, mais j'y pense que Minshew avec Bill Belichick, ça marche pas. Minshew a l'air de gars qui boit de la bière avec ses parents après le game. Exact. Tu comprends, comme tu. Tu peux pas jouer aux Patriots. C'est ça. Je peux comprendre, mais en même temps, il y a une place quelque part pour lui dans la NFL après Stoyler. Puis là, on le respecte pas. Next question. Est-ce que les Colts sont une équipe dangereuse? La raison pourquoi j'ai posé la question, c'est parce que les Browns ont la meilleure défensive présentement, statistiquement parlant. Ils sont premiers dans beaucoup de choses. Ils ont comme réussi à faire 38 points sur eux autres, la meilleure défensive. Donc, ma question, est-ce que c'est la plus dangereuse? Jalil, you go first. C'est une équipe que tu ne veux pas affronter. Si tu veux dire dangereuse comme quoi qu'elle va faire les séries, moi je pense pas que les Colts vont faire les séries. Mais c'est le genre d'équipe, par exemple, que si tu te bats pour une place en série, tu veux pas l'avoir sur ton schedule. Tu vois ce que je veux dire? C'est les genres de. Ça va être des gars en fin de saison, ça va être des party poopers. Ils vont gâcher des saisons en fin de. Oh, ouais!
mais leur attaque est stat. Leur attaque est vraiment stack est nice. à chaque position. Mm-hmm. La défense aussi, ils ont quand même des très bons joueurs à des positions élites, comme Leonard est un stud. Moi, je pense que Blackman en safety est un stud. Depers Buckner, Quiddy Pay commence à se développer. Fait que, en offense, de Pittman, Zach Moss, exact, Jonathan Taylor. Les Colts, ça fait un petit peu des années qu'on dit qu'ils sont juste un quarterback away from being a very dangerous contender. Mais on sait tout qu'un QB, c'est si important que ça. Puis aussi, ils ont pris des step back. Ils ont perdu des joueurs. Ils ont commencé à être âgés un petit peu. Il va falloir qu'ils replenishent un petit peu leur talent. Mm-hmm. Mais oui, effectivement, les Colts vont être des party poopers, mais ne feront pas les séries. Moi, c'est mon opinion. Mizogod. Je pense que la semaine passée, on avait parlé de ça. Est-ce que Jaguar devrait avoir peur dans sa division? J'ai regardé ça, Jaguar, je pense qu'ils sont 5-2. Ouais. Mais je trouve quand même que leur 5-2 est genre un peu louche. Fraudulent. J'ai encore peur que comme... Tout d'un coup, ils arrivent contre Houston. Là, ils ont battu les Colts deux fois, c'est déjà bon pour eux, mais j'ai l'impression qu'ils pourraient perdre une game contre Titan, puis une game contre Houston, puis tout d'un coup, ils sont back in the middle of the... Tous les autres teams sont back. Mais, ouais, les Colts pensent que comme ils ont une bonne défense contre la course. Contre la passe, c'est un peu plus louche, mais on sait tous que les Browns, c'est pas un team qui bat par la passe. Mais je pense qu'avec... Plus la saison va avancer, plus les teams vont figure out Gardner Minshew. Puis je pense que c'est là qu'ils vont peut-être avoir plus de problèmes. Parce que souvent, quand tu as un nouveau QB, puis je pense que les teams ne respectent tellement pas Minshew que comme. Ils ont, on dirait qu'ils n'ont pas le tape contre lui, genre. Ouais. Puis ils ne savent pas vraiment si c'était Dentis. Live, le gars de Minshew, c'est Josh Downs. Je pense qu'il a fait 140 verges. Ouais. Hein, c'est lui le main receiver là, des Colts. Si vous pensez que c'est Pittman, le gars est à guard. Vous n'avez pas fait vos devoirs. Mais je pense que live pour peut-être les trois prochaines games, ils sont encore une team qui peut faire des surprises. Mais vers la fin de la saison, je pense qu'ils vont. Anyways, ils vont plus essayer de gagner. Comme ils vont être comme, on va aller prendre de meilleurs picks là. Je pense pas qu'ils essaient de faire les playoffs, anyways. Ok. So. Anti, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'ai pas de rien d'autre à rajouter sur les Colts. Moi non plus. Moi, je veux juste acheter quelque chose. Vas-y. Je ne comprends pas pourquoi personne ne croit aux Jaguars. Faites vos devoirs. Hot take, Trevor Lawrence est un top 3 quarterback dans la ligue. Oh, il est déjà là. Moi, je suis d'accord avec toi. Il est déjà là. Pour les Jaguars. Il est déjà là. Pour les Jaguars. Pour les Jaguars. Non. Pas pour Trevor Lawrence. Pour les Jaguars. Non, pour Trevor Lawrence, moi, je te le dis, il est déjà. À part Joe Burrow et Patrick Mahomes, il n'y a pas un QB qui est meilleur que lui. Putain. Joe Burrow, cette année, n'est pas top 3. Hein? Joe Burrow, cette année, n'est pas top 3. Tu veux pas être ton running back? Tu veux loin, c'est où? Je parle de QB. Il est allé où? Qu'est-ce qu'il a prouvé dans ce monde, tu veux loin? Il faut que tu aies un pedigree. Lancer un ballon, c'est bien beau, les stats. Bring me to the finals. Tu veux un pedigree? Aucune défaite en high school. Une seule défaite en college dans sa carrière. Après ça, une seule mauvaise saison dans sa carrière au complet, puis c'est avec Urban Meyer qui fait des yayades après une défaite dans un bar. OK? Tu peux lui pardonner, OK? Oui. Après ça, dès qu'Urban Meyer s'en va, tu sais qu'est-ce qu'il fait? He wins, fait les playoffs sa deuxième saison, lance 4 picks durant la first half, et a les coronas de revenir le second half et lancer 5 TD, gagner la game, à 22 ans. Ça, je suis désolé, I'm sold. T'as dit top 3. On va revenir sur la planète Terre, les gars. Third best quarterback in the league. Top 3. Laisse aller le vivre dans son monde. Il rêve. Ce qu'il fait avec une équipe pathétique, là. Yo, son équipe est pas très bonne, là. Incorrect. Regarde, moi, pour de vrai, Chargers devrait faire le... Je dis pas que Chargers... non, pas Chargers. Jaguar, je dis pas qu'il faut pas les playoffs. Mais moi, je suis le genre de gars, je cherche à voir quel team qui a fait les playoffs fera pas les playoffs l'année d'après. Ouais, parce qu'il y en a toujours une coupe. Ouais, il y en a toujours une coupe. Puis, comme pour de vrai, les autres équipes dans sa division n'ont pas d'affaire à battre les Jaguars. Mais je trouve que les teams dans la division jouent bien. Genre, à part peut-être Titan, mais Houston, je suis surpris. Colts, je suis surpris. Donc, vu que je suis surpris, je monte dans leur bandwagon, tu vois. C'est pas que je pense que Jaguar va pas faire les playoffs. Comme c'est leur division à perdre, genre, comme ils devraient gagner. Mais tu vois, je suis comme un mauvais lance, puis tout d'un coup. Believe in sunshine. Sunshine, baby, remember the Titans. Okay. Yeah. Trevor Lawrence, on va conclure avec ça. Dis à ton boy de lancer Calvin Ridley, s'il vous plaît. That's all I'm saying. Calvin Ridley est trop over. Ton boy, c'est Christian Kirk, laisse-le talk. Ouais, c'est Christian Kirk. Je sais, mais dis à ton boy. En fait, non, c'est Evan Ingram. J'ai besoin de Ridley, je l'ai dans mon fantasy. Dis à ton boy de lancer Ridley.
Il est là, ça qui est vu, Ben. C'est dans le top 3. Anyway. Est-ce que Deshaun Watson devrait prendre. C'est fini. devrait prendre le plus grand repos. C'est fini, c'est fini. C'est ou c'est fini. Il est terminé. Il y a besoin de certains massages. C'est terminé. C'est fini, du gameplay. Je suis dead. Vago. Non, je prends une tête. C'est fini, du. Yeah. C'est fini. J'ai believe longtemps. Et on a vu c'était quoi son secret sauce, ok? On a vu c'est la Fox on pas maintenant. Bag. Deshaun Watson. Oh. Comme, yo. I've been telling you guys. I've been telling you for years. Yo, regarde. Go, regarde. C'était un joueur avant, ok? Ah, ok. Now he's not. He's not anymore. Yes. Ils se sont fait fleece. Ils se sont fait fleece. Mm-hmm. Ben. À date, les Texans n'ont pas encore fait grand-chose avec, mais non, c'est pas, non. Sinon, ils sont bons. Non, ils sont fait plus, ouais. Deshaun Watson, il n'y a pas encore donné, je pense. Est-ce qu'il y avait une game de genre plus que 275 verges? 275, non, plus que 200, oui. Un peu plus que 75, non. Ouais, total, comme, juste passing? Ouais, oui, passing, comme 3 games, comme 4 touchdowns. Je pense pas, non. Non. C'est non. Ça, je voulais. Non, faudrait, moi, vraiment disappointé de. Les Browns. Ils vont avancer juste avec la defense puis le run game. Deshaun Watson, c'est juste un piece sur le board. That's it. En fait, t'as pas posé la question complète. C'est toujours la question complète. Moi, j'ai dit, est-ce que Washington devrait prendre un plus grand repos ou il n'est plus aussi ça. Bon? Il est terminé. Parce que moi, je pense, en fait, c'est le contraire. Pour qu'il voit du terrain. Pour qu'il voit le plus de terrain possible. Deshaun Watson, on va pas se mentir, là. Si vous l'avez vu jouer avant, c'est pas mal. Moi, puis Nicolas Olive. Il remplit talent. Il a prouvé, il faut remplir talent. C'est notre discours là. Mais là, on peut pas jouer. T'as passé 2 ans sans jouer. C'est vraiment ça. Il n'y a juste pas eu de rep. Puis moi, je serais les Browns. Mais là, c'est sûr que c'est blessé. Mais tu donnes le plus de rep possible. Tu donnes des practice reps. Tu donnes des reps avec les rusher teams. Tu donnes des reps avec le B-squad. Il y a besoin de reps. Il y a besoin de lancer un. How many reps do you give them? How many reps tu donnes avec ce mec sur le banc? Il y a fait une moitié de saison l'année passée. Moi, j'ai des stats assez ridicules ici. J'ai Deshaun Watson à Houston et Deshaun Watson à Cleveland. Deshaun Watson à Houston avait un passing percentage de 68%. Il a descendu à 60,3%. C'est 8% fort. Son passer rating a passé de 104,5 à 82,4. Mm-hmm, c'est son yards per attempt a baissé de 8,6 à 6,2. Mm-hmm. Et attends, le plus horrible de tout, il y avait un average per game de 269,2 verges qui a passé à 197,8 de Cleveland. So, moi, je pense que c'est un mix de rep, puis c'est un mix aussi de talent autour de lui, parce que je pense que Cleveland a tout le temps été overrated dans l'attaque. Ben, il avait des bons talents quand il est arrivé à Cleveland. J'ai pas écrit la stat, mais il y a une statistique où il y a plus de quarterback pressure depuis qu'il est à Cleveland qu'il y avait à Houston. Tout le monde disait qu'à Houston, c'est ça le problème. Ouais, il peut courir. Donc, scramble tout le temps. Il a besoin un petit peu d'aide, mais il a besoin de rep. Puis je pense que le talent est là. Puis QB, ça vieillit bien. Donc, je pense que, gars, écoute, peut-être ça prend 2 ans. Mais oui, pour l'instant, c'est un fleece. Ils n'ont pas le choix parce que c'est guaranteed money. Exactement, c'est ça. C'est la fin. C'est ça que j'allais venir. Regarde. Je suis un franchise QB, j'ai guaranteed money. Yo, je vais pas practice avec les redshirts. Tu me dis, regarde, I'm that guy. Yo, c'est dead. Tu peux plus changer sa mentalité. Il est déjà arrivé. Oh, c'est sûr. Faudrait qu'il commence du bottom. Si il doit recommencer du bottom, puis lui dire, yo, on te paye comme juste le bare minimum. Oui, là, il va work parce qu'il veut l'argent, mais il y a déjà l'argent. So. Regarde, soit il a manqué il y a 2 semaines, il a manqué une game. Je suis sûr que si était broke, il aurait joué la game. Ouais, ça prouve mon point aussi que le plus gros point des Browns, c'est pas le centre de Sean Watson. Ça fait 25-30 ans, le problème, c'est l'organisation. Mais nous demandons, Sean Watson, c'est fini. C'est une bad organization. C'est fini. C'est dead. 100% que tu veux. Guaranteed money, bro. Tu peux faire ce que tu veux, bro. Guaranteed money. C'est dead, bro. Tu peux lancer 8 picks par game, bro. S'en fout, t'as quand même ton 200 millions à la fin d'année. Le mieux au football ou dans le sport, get that contract. Don't give. Contract, t'as pas besoin de deliver, ok? T'as plus besoin de deliver. Je deliver si je veux. Pourquoi? Si je veux pas, tu peux rien faire parce que c'est guaranteed money. Pourquoi les gars se forcent quand c'est leur contract year? Surtout quand ma team est trash. Ils mettent des numbers quand c'est leur contract year parce qu'ils veulent un gros contrat. Regarde Daniel Jones. Je vais préciser aux écouteurs que c'est pas au football. Je pense qu'une équipe veut dire c'est QB. Juste QB. Parce qu'en fait, n'importe quelle position, ouais, c'est pas un game de se faire couper. C'est pas aussi fou. Ça se fout. Mais QB, oui, effectivement, QB. Mais je pensais surtout au basket que je disais ça, là, mais au football, les QB sont comme des joueurs de basket. Ouais, exact. Moi, de mon côté, moi, c'est terminé depuis. Ben, ça fait longtemps que j'ai dit qu'il est terminé. C'était même pas. Non, je. Pas même savoir, on ne me parlait pas de lui. Ouais, parce que. T'as
capable de checker Houston. Non, il y a des équipes, moi, je ne check pas dans le sport. Basket, c'est Pacers. Au football, c'était Houston, c'était Jaguar, c'était Lyon. Il y avait une liste d'équipes qu'on ne regardait pas parce que ça avait place à être un blowout. Oui ou non? Oui. D'accord. Moi, je regarde tout. Deshaun Watson faisait partie des équipes qui se blowout. Je regardais Houston juste pour JJ Watt. Juste pour lui. Andrew Hopkins, mon cher. Aussi. Oh, mais okay, c'était Deshaun Watson. Ouais, ben c'est ça, Deshaun. Non, Houston était peut-être pas une équipe, mais c'est une équipe excitante avec Deshaun Watson. T'as manqué des belles games. J'ai manqué des belles games. Ils ont fait les pires. Once? Ils ont éliminé. C'est là que ma haine pour Josh Allen a commencé. Texans a éliminé les Bills, là. Oh, ça, Josh Allen. Josh Allen a fait un gros crétin. C'est depuis là que je suis pas Josh Allen, ça. Moi, je parle pas de tout ça. Moi, je l'ai regardé. Nicky est une vendetta. Donc. Il est terminé, il y a son contrat. Rep, ou comme tu as dit, il y a son argent. Moi, je pense que c'est fini. Il vous a finesse. Ouais. C'est beau, c'est fini. C'est fini, il a gagné. Mais il won. Tu fais rien, tu fais rien. Tu le mets sur le banc. Rendu là, je donne le plus de rep possible, puis je m'arrange pour qu'il. Tu vas mériter, peu importe, que tu le veuilles ou non, tu vas le mériter. Tu vas te faire frapper, mon gars, je m'en fous. Mais regarde, le but, c'est de finesse une autre team. C'est là. Mais tu penses pas qu'il peut faire un semblant? Il est revenu, il a pris un coup bas, il fait get. C'est mon top de robot. Le coup, j'ai vu la tête swing back. Ok! Mais, pense pas que si comme il y a un little injury, c'est ça, il va pas être swing, je suis pas sûr, il va n'y pas. Oh, like power, pas trop. Comme Tom, c'est comme ton boy. Michael Thomas. Ah, gars, je me sens pas bien cette année. Je vais prendre une année sabbatique. Une sabbatique, mon chien. Alors, tu prends une année sabbatique, je suis comme Drew Brees revient de retirement. Il a pris deux ans, mon gars. Il a pris deux ans sabbatique, tu gagnes. All right, next game. On a assez longtemps là-dessus. Next game, on va aller plus vite. Ravens versus Lions. Fun game. C'était une pratique pour les Ravens. C'était pas une game pratique pour les Ravens. En plus, il y a eu du gros trash talk avant la game, en plus. Ça fait 38 à 6 pour les Ravens. Ils ont eu faire un touchdown, même pas le field goal, barré sur PAT. Mais ça fait un touchdown. Ah oui. Ils ont raté le PAT. Ils sont allés pour deux. Ah, c'est vrai. Donc, regarde, il n'y a pas grand chose à dire vu que c'est un massacre. Ma seule question, c'est est-ce que les Lions sont une fraude ou les Ravens sont vraiment enfin réveillés? Moi, je veux commencer en disant que c'est les Ravens qui se sont réveillés. Je trouvais que Lamar Jackson a joué du très bon football contre une défensive normale. C'est pas la meilleure défensive, mais c'est pas la plus merdique, on va dire les vraies affaires. Ils ont un bon pass rush. Top 15, yeah. Ils ont un bon pass rush. Et puis, ils réussissaient à esquiver le pass rush, prendre son temps, pas courir au bon moment ou attendre que ce receveur se libère pour faire la passe, comme on a vu. Je sais pas qui est le receveur qui a attrapé ce ballon-là quand il y a un scramble pendant. Mais, on s'est utilisé. Anyway, ça pour dire que Lamar a joué une excellente game et la défensive des Ravens ont joué une bonne game aussi. Les Lions ont eu une mauvaise game. That's it. Je devrais regarder le schedule de plein d'équipes après avoir vu ce qui est arrivé aujourd'hui. Puis je trouve qu'il y a plein d'équipes qui ont joué contre personne live. Je pense que toutes les grosses games là, devraient arriver genre après le week 8. Oui, on est quelle semaine? 7? Genre après le week 9, tout d'un coup, tu commences à voir les teams jouer juste contre des grosses équipes. Soit là, comme j'ai réalisé, après avoir battu les Chiefs, sans Kelsey et Chris Jones, ils ont joué contre les Falcons, ils ont joué contre les Bears, Packers, puis ils ont joué contre les Panthers. Ça, c'est avant de jouer contre les Ravens. Ah, puis ils ont perdu contre les Seahawks. Si tu regardes, t'es comme, c'est quoi ce schedule comme de merde qu'ils ont joué, là? Je veux qu'on s'en aille s'aborder. Moi, je pense que c'est comme, ils sont meilleurs que ça. Je pense que c'est le fait que Montgomery était pas là. Je pense que le fait que Montgomery est toujours capable de donner comme 4 verges sur la first rush, juste le fait de pas avoir cet aspect-là dans la game, comme Jared Goff peut rien faire. Comme, il trust pas Gibbs pour courir avec le ballon, il est pas capable. À la base, tu vois qu'il donne, il fait toutes les touches à Montgomery. Oui, ouais. Puis je pense le fait de devoir lancer comme des 10 verges au départ, comme 2 et 11, ils veulent pas être dans cette position-là. Ouais, ouais, ils veulent les gens être à 2 et 6, puis ils peuvent faire un autre run, puis avoir un short play à faire. Comme, puis juste de ça, c'était dead. Puis pour les Ravens, ils ont joué une bonne game. Ils sont réveillés après avoir perdu la game contre les Steelers, qu'ils ont gagné toute la game. Ouais. Puis le fait d'absorber le pass rush de. Si t'es capable d'absorber le pass rush des Lions, tu peux attaquer leur back-end, les DB. Mais si les pass rush arrivent, c'est dead. Leur defense est boostée. Mais c'est vraiment une affaire de est-ce que ta O-line est capable d'absorber le pass rush des Lions. Mais je pense que
une game comme ça, ils ont perdu, ils vont bounce back. Puis ils sont pas trash. Un type. Jared Goff. Jared Goff. Lui, il a demandé ça, j'ai demandé ça contre Allen, lui, il aime pas Jared Goff. J'ai pas, il peut form, comme tu as dit, il peut former contre des shit teams. Et après, tu te dis, ah gros, c'est un bon QB, tu sais, why not? Puis après, quand ça vient de temps, un big time, un big team, il est pas capable de performer. Let's go! C'est comme ça, toi, les gars, ma tête pour ça tellement non, solide. Parce que vous devrez, il serait tellement foré parce que le ballon serait à l'air de bande, ça aurait été rendu un touchback. Ouais, ça, exactement. Ça aurait ragé. Ça aurait été bien. Regarde ça. Ah bah, il a échappé. Non, mais ça aurait non, il a échappé. Pas grave. Il n'y a rien de tout ça. Well, Waddle is about to score. Ah, c'est 4ème et 2, on fait le gros. Tout ça pour dire. Ouais, ils vont pour. Okay. Vous allez pour? Ouais, ils vont pour. Jared Goff fait partie de mes QB que quand c'est un big un big game, il ne show up pas. Therefore, big game, Lamar Jackson a show up, a joué une très bonne game. Jared Goff a absolument rien fait à part au second half où il avait pas le choix de passer. Puis les Lions sont une bonne team, mais on a vu quand ça vient contre une bonne opposition, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça choke à cause que leur QB est pas capable de rien faire. God damn. Ils avaient combien de wins dessus, là, comme 4? 4, mais comme t'as dit, c'était des trash teams. Ouais, ils ont battu Kansas City. Mais c'était week 1. Sans Kelsey et Chris Jones. Ouais, le best pass rusher et les mains sûres que comme on nous l'a vu. Il y a beaucoup de teams qui n'ont pas eu de challenge pour l'instant encore. Effectivement, c'est le même à chaque année. Ouais. À chaque année, on regarde ça, puis il y a tout le temps l'équipe qui domine les petits frères. Mais je ne vais pas les juger pour un loss. Mais c'est ça. Fait que pour moi, les Lions, écoute, parce qu'ils ne sont pas mauvais à ce point-là non plus. Non. Si jamais, fait que c'est un mélange des deux. C'est un mélange des Lions qui n'ont pas show up, puis les Ravens qui ont vraiment joué une des meilleures games de saison. Deux semaines, on était en train de trash les Ravens. Les Lions aussi, c'est comme. Je sais pas combien de temps j'avais entendu Laurent où on comparait basketball. Il disait ça prend du temps. Et bien, les Lions développent quelque chose. Puis j'aime ce qu'ils sont en train de bâtir présentement. Je pense qu'ils sont 1 year away d'être une équipe vraiment dangereuse. C'est une équipe qui va faire les séries, mais qu'on peut first round. Exactement. T'sais, you build on something. Ouais. Fait que je pense que les sont là. Les Ravens, pour moi, il y a du monde que je vais rendre super furieux en disant ça. Ils sont devenus la équipe la plus irrelevant depuis qu'on a draft Lamar Jackson. Parce que depuis qu'on fait ça pour moi, je sais qu'ils gagneront jamais un Super Bowl. Je me fous que c'est Riverspons, ils sont tout le temps stack, c'est tout le temps une équipe que j'adorais, ils ont drop Lamar Jackson, tant qu'ils vont pas chercher un vrai QB, ils gagneront pas un score. Un vrai QB, oh lord! C'est lancé un ballon! Wow. Il s'est amélioré! Si tu dis Deshaun Watson, faut que tu dis Lamar Jackson. Deshaun Watson est un bien meilleur lanceur du ballon que Lamar Jackson, mon frère. I am sorry, là. Oh, yo, c'est même pas proche. Live, c'est épique. Il était en tout cas, il was. Pas à cause qu'il y a eu une bonne game cette semaine que tu vas dire que Deshaun Watson est pire que Lamar Jackson. Quand Lamar fallait qu'il garantisse son contrat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé le ballon. Il a lancé le ballon jusqu'à temps. Il a chialé. Il a lancé le ballon. C'est quoi son playoff record? Zero and what? 2-3, c'est ça mon point de vue, je sais pas qu'il est pas talentueux. Lamar est bourré de talent. Je pense qu'il a gagné. Lamar, il va gagner des games de football. Il va gagner des games de football durant une saison régulière. Il est extraordinaire. Mm-hmm. Mais tu sais comme moi, t'as joué en défense, t'es quand même à queue. Oui. One push comme the shove in the playoffs. S'il peut pas lancer le ballon. Ça sert à rien, mais il s'est amélioré. Là, on l'a vu qu'il lance le ballon. Je pense que Lamar. Juste pas voir plus. Tu vois pas que les wide ont reçu le ballon. Je pense que Lamar, dans sa carrière, a un trail from behind win. When they trail, they can't come back parce qu'il peut pas lancer le ballon. C'est contre Détroit quand Tucker a fait 66 verges. C'est ça le problème avec les Ravens. Dès qu'ils ont pas le lead, ils ne gagneront pas la game parce qu'ils peuvent plus courir. Je comprends ça. Mais moi, je suis juste le fait de dire que le Marshall peut pas lancer le ballon maintenant. Moi, j'ai dit, si tu dis Deshaun Watson, faut que tu dis Lamar Jackson. Non! Pick six. We love to see that. Ça serait un autre running back qui joue dans une équipe boostée qui cache beaucoup de ses défaillances de passe. C'est la nouvelle mode d'avoir des running backs qui jouent QB, là. J'ai une question. Vas-y. C'est quoi la question?
comparativement à Tim Tebow, Lamar Jackson lance mieux ou est-il pas? Absolument. Est-ce que tu as comparé Lamar à Tim Tebow? Absolument. Tim Tebow avait une motion absolument horrible. Il fallait qu'il fasse un 360 pour lancer la balle. Fait que c'était horrible. Yo, comment on parle Lamar, oui, s'est amélioré. Oui, Lamar s'est amélioré en tant que lanceur. Mais mon point de vue, c'est qu'il sera jamais là. Il y a juste pas le talent pour être là. Puis Lamar, je le dis, ça va être comme Cam Newton, ça va être une carrière de 10-12 ans. That's it. Quand les QB ont des carrières de 20 ans, tu le sais comme moi. C'est vrai. Mais moi, je pense qu'il est en train de travailler là-dessus. Et ça mais le temps qu'il va être un bon lanceur, il n'aura plus son appétit. Devant son corps de receveur. Il a déjà perdu l'appétit. Oui, mais là, il va avoir un meilleur corps de receveur. C'est moins d'années qu'ils disent ça, les Ravens. Ils ont spent quoi? First round pick, puis c'est tout. Ça continue de changer, il n'y a pas de receveur. Des boss. Open. Open drop. Laurent, c'est qui le dénominateur commun? Quand tu spends 4 first round picks sur un receveur, c'est qui le dénominateur commun? C'est le gars qui lance la boulette. Comme ballon dans les mains. Il faut que le gars l'attrape là. La seule chose que j'ai à dire, moi, là-dessus. J'ai pas raison. La chose que j'ai à dire là-dessus, c'est que tu peux pas dire que Lamar est rendu comme meilleur après juste une game, genre comme. Non. J'ai toujours dit que Lamar s'améliorait. Non, mais si on regarde, comme j'allais là, si tu regardes toute la saison, cette saison, j'ai pas vu aucune amélioration. Ça, c'est sa meilleure game qu'il a joué de toute la saison. Probablement sa meilleure game dans les 3 dernières années. Ouais, je pense que oui. Il y a une game qui compite là-dedans. Depuis sa vie. Tu sais qu'il a raison. Il y a une game, il avait bien joué contre. C'était contre Miami Dolphins, c'est un shootout. Il a été perdu. Mais. Juste pour dire, comme. Il n'y a pas beaucoup de games comme il y a joué aujourd'hui. Là. Mais, juste répondre à la question pour moi. Est-ce que tu peux gagner un Super Bowl si tu ne peux pas come from behind? T'attends vraiment à toi jouer au Super Bowl avec un lead every damn game? Ça se peut. Kansas City a fait toute l'année, ils ont une game. Mais eux, ils peuvent revenir d'ailleurs. C'est qui le QB? Oui, on a compris ça après. On l'a compris, mais. Non, même Kansas City, on est au Super Bowl en faisant des comebacks de fou. Ils revenaient de des comebacks de l'an dernier. Ils ont eu des comebacks. Alright, guys. Next game. Bears vs Raiders. J'ai pris cette game-là. Attends, j'ai une question, guys. Est-ce que... T'as le Pigeon encore? Oui! Est-ce que Tyson Pigeon va être le prochain non. Mr. Irrelevant? Non. Il est irrelevant. Oui, exact. Yo, c'est Foreman qui a fait la game. C'est for real. C'est irrelevant sans le Mr. Patnick, j'ai pris, je l'ai sous mon bench. C'est tout. 3 TD, 142. C'est tout. Running back. All right, guys. La prochaine question. C'est quoi? Est-ce que les Raiders vont faire les playoffs? Non. C'est bon. Ok, on to the next. Bon, on va parler de l'équipe Aspenti. What an upset. J'espérais que tu m'avais oublié. Je sais pas oublié, mon gars. We Raiders and Bears. What about the Mills, hein? Pourquoi les Bills ont perdu contre les Patriots aujourd'hui? Fenty, talk to me. Why? Why did they lose? Mais c'est plus le lead. Puis là, c'est perdu quand même. C'est fou. Comme Mike Jones. Non, ils se sont fait faire un drive. Par Mike Jones. Un drive par Mike Jones. Ouais. La semaine passée, je t'ai dit à quel point la défensive des Bills était nice. C'est après avoir battu les Dolphins. Comment? Après avoir battu les Dolphins. Oui, après avoir battu les Dolphins. Je regrette tellement la semaine passée. Cette défensive qui n'était pas capable d'arrêter Mac Jones et Ramondre Stevenson qui ont rien fait depuis le début de la saison. Les Bills pourraient... La défense a fait un job. Les Patriots? Non. La défense des Patriots a fait un job. Les Patriots avaient toujours un fucking short field. Josh Allen veut ton QB a pas fait sa job. Il fait des turnovers dans sa zone. Donald Barr, c'est à cause de le premier 10 points que les Patriots ont fait, c'est à cause de Josh Allen. Et après ça, les Bills, comme j'ai dit la semaine passée contre les Jaguars, quand ils commencent à perdre, vu qu'ils savent qu'ils sont meilleurs, ils vont toujours comme point. C'est fini, point là. Ils vont aller, mais Josh Allen en situation de clutchness, choke. C'est le gars le plus choker que tu peux avoir dans la ligue. Il est deux dans comme si c'est pas si il court pas, je m'attends comme pourrait même prendre le snap de fumble, je m'attends qu'il fasse un fumble. Moi je vois Josh Allen en fourth down, je vois un miss comme je vois pas, je le trust zéro. Puis c'est fou, c'est vrai. C'est juste les Bills quand ils sont en train de perdre contre une équipe qui savent qu'ils sont meilleurs,
ils oublient, ils sont comme, eux là, ils peuvent finir ça live, ils peuvent faire comme un home run. Il n'y a pas de, oh, on va jouer le long game, pas en jouer la position du terrain, non, on va aller en fourth down, là, au milieu du terrain. Oups, fourth down. Notre équipe prend le ballon et ils font, puis Bill Belichick, il n'est pas comme, mon équipe est trash, mais je prends chaque 3 points que je peux avoir, puis à la fin, les Bills sont quand même revenus dans la game, j'étais sûr que c'était fini. C'est là qu'ils ont pris le drive touchdown. Ils ont pris deux TD. Un au début de la game, puis un à la fin, genre. Dernière dans minute. Moins d'une minute. Third down efficiency, 5 en 12. Yeah. C'est tough. C'est là que je m'en allais. Moi, je m'en allais direct là. Merci. Je suis d'accord. Non, ton third down efficiency, c'est 5 en 12. Mais ça, c'est la faute du QB. Puis, Josh Allen, il y a tout le talent du monde. Je le critique beaucoup. Mais il y a tout le talent du monde. Mais à un moment donné, quand t'as le talent, tu progresses pas, moi je blâme ça sur le coaching. Ah, les deux. Okay. Le coaching, ah, le playbook offensif des Bills, là, c'est un playbook du secondaire. Non, mais pour de vrai, t'arrives pas à courir le ballon, mais tu fais zéro wide receiver screen. Ah, attends. Tu sais, les semi-runs qu'on call. C'est pas qu'ils arrivent pas à courir le ballon. Ils ne courent pas. Ils essaient même pas de le courir. Puis en général, c'est ça, les équipes qui courent pas le ballon, ils courent avec des, we call them semi-runs, avec des wide receiver screens, ouais, bubbles, c'est comme des semi-courses. C'est comme ça qu'ils font. Ils font même pas ça. Stephon Diggs, il a reçu 12 targets, il a eu 6 receptions pour 58 verges. Un TD. C'est encore une fois, c'est coaching. C'est quoi, tu forces la balle à Stephon Diggs? Je sais pas. Parce que tu regardes les Bills, toi l'autre receiver Davis, lui, il fait juste des fades. OK, il fait juste des fades. On sait que Bill Belichick va arriver à quelques plaines. Pour le pick. Ben, ce qui me frustre le plus, on a parlé de ça, là, ils n'ont pas de running game. Ouais. Zéro. Cette game, c'était une de leurs meilleures rushing games que j'ai vues. Ils rushaient bien le ballon. Ils ont commencé à rusher le ballon quand ils perdaient 17 à 10 ou quelque chose. Comme pourquoi tu cours le ballon quand tu perds? Parce qu'ils veulent imposer leur will, puis eux, ils veulent passer le ballon sur les gens. Moi, mais Belichick voulait juste pas qu'ils prennent des deep shots. C'est tout. Les Bills, moi, je suis tanné. Ça fait des années que moi, je trouve qu'ils ont le talent, ils sont là. Là, c'est le coaching. C'est fou. Non, là, c'est le coaching. Ouais, là, je peux plus blâmer personne. Ça fait 3-4 ans que t'es là, puis ça fait 3-4 ans que l'équipe est même machine. Tu fais les mêmes affaires. Exact. Je regarde le playbook de Kansas City, je regarde le playbook des Eagles, je regarde toutes ces équipes-là. San Francisco, c'est tout le temps original, c'est tout le temps excitant. Miami, Bill, c'est high formation, this, shotgun, this. Si tu regardes ça, ils prennent jamais les coachs de Bills pour les OC d'ici de Bills pour aller coacher ailleurs. Ça. Jamais. Peut-être que ça veut tout dire, comme ils sont pas, ils sont juste une bonne team. Ben, ce qui leur a fait mal, c'est qu'ils ont voulu garder leur coach, complètement, c'est un coach défensif. McDermott. Puis ils auraient dû garder Dable. Ils auraient dû sortir McDermott, puis monter Dable head coach. McDermott, depuis que c'est McDermott. Non, mais il a fait sa job, il a élevé la team. Oui. Maintenant, on a besoin de coach qui peut win, c'est tout. Comme des fois, t'es juste là pour build la team, mais t'es pas le winner. Exactement. Puis ce qui m'inquiète pour la défense des Bills, elle est stack, mais Milano puis White, ça fait mal. C'est vraiment ça, les blessures de Milano et White, ça fait mal. On va faire les playoffs, don't get me wrong, mais on va rien faire. On va rien faire dans les playoffs. Et juste un petit chaleur avant qu'on continue pour Bill Belichick. 300e victoire dans la NFL. Il a rendu third all time, so shout out, man. Il a extend son contrat avec les Patriots. Hall of Fame. Ah ouais, il n'y a pas coupé. Si j'ai pas un autre QB, là, j'ai fini. Ils vont draft un QB, bro. Ah. OK, next game. Chargers versus Chiefs. C'est la seule game que j'ai pris de 4 heures. Pourquoi? C'est parce que c'était un shootout jusqu'à temps que ce n'était plus. First half. Voilà. Les gars ont fait des stats de game de first half. Cette game-là m'a amené à cette question-là. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'avoir un corps de receveur bon n'est pas important si ton QB n'est pas incroyable? Et la raison pourquoi j'ai posé cette question-là, je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça veut dire, les dons des QB. Les deux ont des... Non, pas les deux ont des receveurs. Seulement un a des bons receveurs. Les Chargers. Ils ont style perdu contre une équipe qui... Ouais, mais l'autre équipe avait le vraiment meilleur QB. Le ultimate weapon que personne garde. Le milieu de... 140 verges ou half, bro. T'as un seul receveur. 140 verges ou half. Pour répondre à ta question, je pense que ça dépend vraiment. First of all, il y a comme... En général, tu as 2 à 3 QB par génération qui sont capables d'être bons au point où tu n'as pas besoin de receveur. Puis ils font juste Peyton Manning, Tom Brady, Patrick Mahomes, passe comme ça. Mm-hmm. Puis aussi, ça dépend. Je pense que quand tu as un jeune QB, on a vu extrêmement souvent
Pour un jeune QB, je pense que c'est extrêmement important. Josh Allen a boomé quand Stephon Diggs est arrivé. Ouais. Jalen Hurts a boomé quand AJ Brown est arrivé. Ouais. Joe Burrow, il boom avec, parce qu'il a commencé avec Jamar Chase. Fait que je pense qu'au début, quand ils sont jeunes, il faut que tu aies un receveur qui peut avoir la confiance, build la confiance, lancer le ballon souvent, puis devenir, se développer. Ouais. Puis là, quand, parce que sinon, tu finis par Justin Fields ou tu veux lancer à qui, là? Ah, mais Mike Williams, ouais, et Allen. Ouais, ben c'est ça. Avec Justin Herbert, justement, Justin Herbert, il se développe super bien parce que justement, il est arrivé dans une équipe avec des fous receveurs. Fait que je pense que ça dépend. Mais une fois qu'ils sont plus âgés, c'est des vétérans, 30-32 ans. Puis là, vraiment, on parle d'un stud, un top 3, top 5 QB dans NFL. Oui, en général, ça va être plus important qu'avoir que l'entouré de receveurs. Okay. Moi, je dis, c'est comme Jalil a dit pour les Bills, c'est un problème de coaching. Puis le coach de Chargers, je sais pas ce qui se passe avec lui. Ah oh, oui. Puis, ça fait 3 semaines qu'il va se faire mettre dehors. Yo, ça fait 200. Mais moi, pour de vrai, j'ai toujours dit que, comment ça s'appelle, le running back Eckler, c'est plus un fantasy running back que genre un running back qui va te faire gagner comme des games. Il est Darren Sproles 2.0. Il est plus dans l'offense, on l'utilise pas. Non, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe avec Herbert. Darren Sproles est tout seul dans le flat. Il fait le catch, c'est sûr, il peut se faire first down. Herbert prend un shot pick. Je sais pas c'est quoi que le coach dit, parce que là c'est le nouveau coach de, c'est l'ancien coach de c'est l'ancien Cowboys. Aussi ouais. Ouais, de Cowboys. Puis j'ai entendu dire que le McCarty avait dit que le coach de Cowboys, Moore, il voulait plus faire des stats pour faire des flashy plays que comme nécessairement faire des plays pour win la game. Puis moi ce que je vois live de ce que Herbert fait, Herbert prend des shots quand le check down est là, puis ton check-down, c'est pas n'importe qui. C'est Eckler, là. C'est le leader comme en touchdown des deux dernières années. J'ai mes problèmes avec Staley, mais j'ai aucun inquiétude avec l'attaque des Chargers. Pourquoi ils perdent des games? Parce qu'ils sont pas capables de stopper un nosebleed. Aussi, ouais. C'est ridicule sur ce point de vue-là, parce que c'est vraiment ça, parce qu'ils font pas vraiment de rien arrêter, man. Mais les deux dernières games, je sais pas si t'as regardé lundi contre les Cowboys, puis même aujourd'hui, il est pas précis, là. Il manque ses passes en ce moment, Herbert. Je sais pas ce qui se passe avec. Keenan Allen tout seul, puis comme. Ben, Kyle Moore, je pense que c'est un bon aussi. Parce que Kyle Moore, j'allais donner cette stat qu'on regardait le Monday Night, ouais. Laurent. En fait, c'est Kyle Moore, tu regardes, c'est un petit peu hilarant. Depuis qu'il a quitté les Cowboys, apparemment, il était le problème là-bas. Ouais. Maintenant, les Cowboys average 5,5 points de moins que l'année passée. Les Chargers average exactement 5,5 points de plus que l'année passée. Ouais, dire, l'autre lance aussi moins de pick, puis les choses lancent plus de pick. C'est toi, Justin Herbert est meilleur que Dak. Non, mais c'est plutôt Justin Herbert a augmenté ses picks depuis qu'il y a quelques mois aussi. C'est 24, comme, parce qu'il prend plus de shots. Mais avec la défense, sinon, je pense qu'ils n'ont pas le choix. JC Jackson, après de Sean Watson, c'est le pire signing de la NFL. Il est plus là, il l'a envoyé au. Mais c'est ça, c'est le corner le plus payé, puis il a servi à rien. Ouais, gars, je m'excuse de vous couper. Oui, c'est ils ont fait autant, t'inquiète. On t'a déjà calculé. C'est bon. Ok, excusez-moi, gars. C'est bon. Bonne rotation, mais je vais vous arrêter comme ça. Parce que vous n'avez pas amélioré et pas comme si il y avait un tel donné. Non. Comment t'as pas compris encore que le football, tu célèbres quand le cadran est à zéro? Pas à NFL. À l'NFL, c'est un secteur de jambes. Reste la team qui joue. Ouais, bon. Prochaine question. Une question, c'est juste pour la journée. C'est la dernière question de la journée avant de la prédiction. Pour la journée des Talent Day, thank you. Quels sont vos top 3 talents cette saison? Tout le monde doit dire Sam Laporta. Hein? Ouais, c'est pas comme ça que c'est ce que j'allais dire. J'allais dire Kelsey. faut tout inclure Sam Laporta dans notre affaire et Travis Kelsey. Après votre troisième, vous choisissez qui vous voulez. Moi, c'est Kelsey. Merci. Oh wow, ok. Ça. Les autres, moi, tu me demandes, c'est qui les trois meilleurs Thaïlandes? C'est sinon pour toi. Non, mais ok. Si faut que je pique trois Thaïlandes que je prendrais dans mon équipe, ça serait George Kittle first, Travis Kelce second, puis Jockins third. Si tu me demandes qui a les trois meilleures saisons présentement, c'est Travis Kelce first, all the day. Après ça, je dirais que c'est Laporta. Puis après ça, c'est Evan Engram, le troisième, qui a la troisième meilleure saison présentement. Mais George Kittle est le meilleur talent de la ligue. Il a dit George Kittle est le meilleur talent de la ligue. En termes de c'est le plus complet des talents. Si George Kittle joue à la place de Travis Kelce dans son équipe, il fait les mêmes stats. Mais George Kittle est un bien meilleur bloqueur. Puis il fait des stats quasiment aussi bonnes avec pas de QB. George Kittle est le meilleur talent de la ligue.
D'autres que l'autre, je l'ai vu pancake Micah Parsons trois fois, puis vous parlez high de Micah Parsons. Pas toi, c'est nécessairement, mais George, il s'est fait pancake par un tight end, mon cher. Oui, c'est, ça arrive, on s'est dit non, pas contre un tight end, pas contre un tight end, quand j'ai dit là, c'est arrivé, c'est pas contre un tight end. Super pied, mais ça arrive. T'as joué contre un gars de Québec, qui t'a ramassé, relax. George Kittle, il te permet de faire absolument tout avec ton playbook, parce que justement, you can run as much as pass, puis t'as aucune inquiétude. Dans cette Kelsey, Kittle, et puis Sam Laporta. Mon top 3. Kelsey, Laporta, I don't give a fuck. C'est vrai, vous avez oublié Andrews. Mais bon. Andrews. Mais tu sais, regarde. Il y a eu une bonne game. Les Ravens. Regarde, encore une fois, comment ça regarde pas les Jags. Ouais. Kelsey a 346 verges, 3 TD. Laporta, 325 verges, 3 TD. Evan Ingram avec les Jags a 346 verges, 3 TD. Les mêmes stats que Kelsey, exactement. J'allais dire Ingram parce que j'allais dans mon fantasy. Kelsey a marqué Ingram. Il marque pas assez TD. Qu'est-ce que c'est, ben, right now, le lead league en tight end touchdown, c'est 3. Yo, Kelsey. C'est Kelsey, Laporta et Ingram. Kelsey. Et Mark Andrews. Mark Andrews aussi. Shout-out Mark Andrews, très bon tight end. Faut que j'enlève Kelsey de la stage, parce que Kelsey, il a pas une game. Puis lui, il est dans son Swifty shit, là, comme là. Ouais, ouais, chill. Il chill, comme il est. Il prend même pas son sérieux. Non, non, oui. Le référenceur. On s'entend qu'Kelsey aussi, il est meilleur que lui de la ligue. Donc aussi, ça lui gagne des points de ça. C'est automatique, là. Non, pour que Kelsey, oui, il est meilleur que lui de la ligue, mais il est littéralement tout seul. Elite. Ok, ouais, mais. Ouais, ok, la différence entre Kittle et Kelsey est pas mal plus. Non, mais je parle de Ingram. Minim, ok, Ingram, ok. Ah, Trevor Lawrence, moi, c'est comme j'ai dit, c'est un top 3 QB. Moi, je pense qu'il est overrated, bizarrement, en fait. Si tu me demandes qu'est-ce que la saison qu'il y a, il est top 3. Est-ce que c'est un top 3 tight end? Absolument pas. J'ai vu joueur plein de balles, pis tout. Mais quand t'as Trevor Lawrence, ça aide, justement. Quand t'as un QB, t'as pas besoin de receveur. Quand t'as un top 3 QB dans la ligue. Oh my goodness. I mean, he makes a good point. Trevor Lawrence, ça aide. Je suis pas en train d'accepter avec lui. But he's making a good point. Tes meilleurs receveurs, c'est tout des gars que leur équipe voulait pas à la base. Christian Kirk, il y voulait plus. The fucking Cameron Reed, il voulait plus. Evan Ingram, il voulait plus. Ben, Ridley, pour une raison différente. Non, attends. Tous les points que je l'ai amenés. It makes a good point. Mais dans mon book à moi, pour entrer dans un top 3 QB. Faut-tu gagner un chip? Thank you. Ben, t'as pas gagné un chip. Mais c'est pas un top 3! Mais non! Okay. C'est pas un top 3! T'as pas besoin de gagner un chip parce que. 100%. Non, pas besoin de gagner un chip parce que c'est question d'âge. Tu es en train de me dire qu'Aaron Rodgers maintenant, c'est parce qu'un chip il est meilleur que ces gars-là? Non, il est pas meilleur que ces gars-là aujourd'hui. Ah non, on parle plus d'un. Non, mais je veux dire, comme tu te rends presque de gagner un chip, comme tu te rends. Ben Joe Burrow est là-dedans aussi. Oui, Joe Burrow est là-dedans aussi. Moi, c'est que. Dans ton rêve, c'est pas. T'as pas gagné un chip? Oh non! C'est pour ça qu'il a dit t'as pas gagné chip, je savais. Lui, il veut mettre Jalen Hurts en dedans. T'as pas gagné de chip, bro. Yo. Jalen Hurts, c'est la dernière raison pourquoi les gars se sont rendus un Super Bowl. C'est la dernière raison, c'est la dernière position pour laquelle je suis comme, oh, c'est à cause de lui. On va dans prédiction. On va dans prédiction. Non, parce que sinon, ça va trop parler. Ouais. On parle en pile. Ouais. Première game, 49ers vs Vikings, qui est le Monday night. Monday night, tomorrow. Tomorrow. Realistically? Vas-y. Non, pas l'année dernière. Non, qui est pas là. Je veux que Jaline me regarde. Ah, ok. Parce que lui aussi, il sait, deep down in his heart, que c'est les Niners qui vont gagner demain. Absolument. Mais, faut que CMC joue. Il est back. Faut que Deebo joue. Deebo joue pas, c'est confirmé. Non, il joue pas. Faut que Trent joue. Trent, c'est pas encore sûr. Ouais, je pense. Moi, je pose aussi, je pense, mais c'est pas encore sûr. Eux, ils ont pas Justin Jefferson. Donc, ça va pas être un over game. Mais ça va être les Niners qui gagnent. À la maison, par exemple. Ouais. Doesn't matter. Kirk Cousin prime time doesn't show up. Moi, je vais aller avec. Bon, pour de vrai, c'est clairement 49ers. Même si Trent Williams joue pas, c'est style 49ers. Moi, tant que McCaffrey est là, c'est 49ers. Point. Comme. Si McCaffrey est pas là, par exemple, je vais donner une game. Les Vikings vont donner une game. Puis, moi, ce que. La chose que tu peux assurer avec les Vikings, même s'ils commencent mal la game, ils vont revenir dans la game. Comeback, fourth quarter comeback, garbage yards. Ça, Kirk Cousin, il va rack up des stats. Il va revenir dans la game, puis il est capable de faire des points genre. Comme je pense, c'est un des QB qui est capable de faire beaucoup de points en un short gap de temps. Ouais. Il est de la ligue en touchdown présentement. Ouais. Comme, tu peux le voir, il est en train de perdre par comme deux possessions. Comme en dedans de comme 6 minutes, tout d'un coup, c'est taille. Comme lui, je comprends pas, il est pas capable de jouer comme ça toute la game. Mais, yo, second half, quatrième quart, que Cousin is the guy.
So, si McCaffrey est pas là, je pense que la offense va être un peu plus tough pour les Vikings. Bref, ouais, pour les 49ers. Mais Kirk Cousins, c'est un QB qui, comme, malgré que je le dise souvent, parce que je sais qu'il n'a pas gagné, mm-hmm. je sais qu'il est capable de bien jouer même contre des bonnes défenses. Mais là, il n'y a pas Jefferson, ça va être top. De mon côté, moi, ça... je vais faire un upset aujourd'hui. Je pense que, les 49ers, CMC, son épaule est encore tweak. Ça va... Il va... Je sais qu'il a quand même joué une game, mais still tweak. Je ne crois pas qu'il va jouer à ça. 100% comme je joue d'habitude. Trent, même chose. Puis sans Debo. Puis je pense que Brock Purdy, il y a encore de la misère encore. Je vais aller avec Vikings. Moi, en temps normal, si Justin Jefferson jouerait, je pense que ça serait un upset alert. Justement à cause des blessures des Niners. Puis je pense que Justin mm-hmm. Jefferson... Mais l'affaire, c'est que justement, il joue pas. Puis Justin Jefferson vaut plus aux Vikings que Debo vaut aux Niners. Mm-hmm. Même si j'adore Debo, Debo's a bad dude. Mm-hmm. Sauf pour que j'aille avec les Niners... Surtout les Vikings, encore une fois, c'est un must win parce que la division a peut-être perdu encore cette semaine. Donc, la division est horrible. Ils ont une chance. Must win, mais c'est ça. Faut que j'aille avec les Niners. Continue le trend. Toute la division va perdre. Non, pas du tout. Ouais, exactement. Ça va avec les Niners. Toute la division a perdu. Justement, avec Justin Jefferson qui joue pas, puis les Niners, puis les Vikings qui n'ont pas d'O-line, je m'attends à ce que Kirk Cousins, parce que Cousins, le premier gars qui regarde, c'est Justin Jefferson. S'il ne sait pas quoi faire, il lance la boulette. C'est vrai. Là, il n'est pas là. Il va se faire sac tellement souvent. Moi, je joue à un jeu de shooter où à chaque fois que Cousin se fait sac, je prends un shot. Je vais être pacté à la fin de la soirée. Si d'autres vont avoir du fun, ben, vous pouvez me joindre tout le monde. That's the game Monday yeah. night. T'es à quel bar encore? Le bar au Carrefour. Là. Kazam? Personnellement, je suis allé avec Vikings. Je me rappelle la semaine passée, vous avez dit que Fulinaris avait perdu beaucoup de weapons. Je pense leur top 3. Ouais. Je sais pas si les gars sont revenus pour cette semaine, mais je suis allé avec Vikings. Je pense que Vikings a seulement perdu Justin Jefferson de leur côté. Ouais. Je pense que ça va jouer à leur avantage. Mais CMC la clé. CMC vraiment la clé. Comme CMC aussi, s'il joue, puis comme tu dis, first quarter, il reçoit un bon pop d'Harrison Smith, puis l'épaule la sort. Là, c'est ça que je t'ai dit, c'est fini. Ça peut aller vite. Là. Ça peut aller vite, ouais. Next, Cowboys vs Rams. Jalil. Ouh! C'est à Dallas, hein, je me trompe pas. Je pense. Si c'est Rams. Ah, les Cowboys, les Rams. Je pense que je vais aller avec les Rams. Les Rams ont eu un top c'est cross, chez les Cowboys. Aujourd'hui. C'est les Cowboys. Chez les Cowboys. Donc, je vais aller avec les Rams. Je vais quand même avec les Rams. Les Cowboys. Je sais pas, man. Honnêtement, là, non, mais honnêtement, je regarde les Rams et les Cowboys cette année. Pour moi, c'est comme. Tu me demandes de choisir entre deux jumeaux. Là. Ouais. C'est quasiment un pile ou face. C'est deux équipes qui, je pense, qui vont quasiment au même endroit. Mais je vais aller avec Ram juste à cause de Aaron Donald. Aaron Donald is that dude. Ok. Je vais aller de l'autre côté, Mr. God. J'étais super acceptable, mais les Cowboys. Les Rams, c'est, je trouve qu'ils ont. C'est Cooper Kupp. C'est vraiment le passing, juste la passe. Ils ont juste ça. Leur défense est trash. Comme cette semaine, ils ont perdu contre les Steelers. Puis l'offense des Steelers, c'est la tough. La défense des Steelers est good, though. Non, mais c'est pas ça. L'offense des Steelers, c'est tough. Pour faire chaque touchdown, chaque point, c'est tough. Chaque verge. Puis ils ont still fait 24 points. OK? Ils ont come back pour gagner cette game. Si les Rams gagnent, c'est que Stafford a comme ball out, là. Lui, puis Cooper Kupp. Cooper Kupp. I don't believe in him. Cooper Kupp, 150 verges. Là, tu vois, 100 verges. Et puis Stafford, presque 400 verges. OK? That's how I see it. Puis je pense pas que ça va arriver. La défense de Rams, je trouve qu'ils sont pas bons. Ils ont juste Donald comme joueur d'impact. So, je vais prendre des Cowboys malgré que c'est pas un team que je back. Oui? Yeah. You piece of play! Let's go play! Ah, la boulette, elle a flotté. J'allais mettre Slay en plus. La boulette, elle flottait. Puis nos jeux. Ah, le backfoot, puis. Ouais, c'est. Manquait de France là-dessus. Il essayait-tu de faire le Waddle? Je sais pas ce qu'il voulait faire. Je veux même savoir ce qu'il voulait faire. Je veux même pas savoir ce qu'il voulait faire. Le gars fait un pic. Ça va être mad. Ça doit être crazy game. Bon, ma prédiction? Ouais. I don't trust both QBs. C'est ça. But je trust vraiment moins Matthew Stafford. Vous le savez à quel point je déteste Matthew Stafford. Je prends les Cowboys de Deck et Dak Prescott. Moi, je vais aller avec les Rams.
Même j'aime pas les Cowboys, puis je pense que les Rams sont dus pour un win, sont dus pour un upset. Moi, t'as pas le choix. T'es un Eagles fan, tu peux pas vendre les Cowboys. Les Rams sont dus pour un win. Non, mais sans Trevon Diggs aussi, je pense que Cooper Kupp is gonna go wild. Trevon Diggs, bro, s'il vous plaît, bro, Trevon Diggs, il accorde autant de TD qu'il fait. Ah, je suis sans d'accord avec toi, je suis sans d'accord avec toi, je pense qu'il est overrated, mais ça reste leur meilleur corner pareil. C'est ça le pire! That's my point! Yo, ils ont une... pas, je veux pas dire une meilleure offense que les Rams, mais leur running game est meilleur que les Rams. Ouais, là, donc, si les Cowboys prennent un lead, ça va être dur de les rattraper. Effectivement. Yaza? Ouais, les Cowboys, personnellement, je pense que c'est l'autre jour qu'on checkait la game Chargers, qu'ils ont gagné. J'ai bien aimé leur performance. Je pense qu'ils peuvent rentrer dans un momentum contre les Rams. Donc. En plus, ils jouent at home. C'est à Dallas la game? Ouais. Non, c'était clair, je pense que les Cowboys devraient gagner celle-là. Hard difficulty, but come on, victoire. Next game, Browns versus Seahawks. Je veux commencer. Je pense que j'allais avec les Browns. Les Browns sont on a run right now. Ils sont ils ont pas de QB. Et puis Geno Smith is balling. Je pense que je vais avec les Browns. Mais pourquoi tu te contredis autant? Attends, il s'est contredit où? Il vient de dire Deshaun Watson pour la dernière heure. Mais il a dit les Browns, il a pas dit Deshaun Watson. Yeah. La défensive, Miles Garrett is balling. Les défensives sont là. Jerome Ford court mieux. Plus qu'il y a de ballons, plus qu'il s'améliore. Les gars sont là. Puis le petit rookie. Shout out to Black Skip Billis to my left. Wow! C'est pas parce que je dis un QB, il a dit c'est l'équipe au complet. L'équipe au complet. L'équipe a du sens, l'équipe est trash, l'équipe a du sens. So, et puis, je dis qu'avec le momentum, les best defense, ils vont réussir à stopper les Seahawks. Dalil. Je vais avec les Seahawks, meilleur QB, défense potentiellement aussi bonne, meilleur running game. Je vais avec les Seahawks. Je serais pas surpris si les Browns gagnent cette game. Merci. Oh non, mais c'est deux équipes. Non, les Browns, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est une bonne, mauvaise équipe. C'est une très bonne équipe de football. Je suis pas de QB. Puis je trouve leur attaque est overrated en général, même s'ils avaient un QB. Mais les Seahawks. Yo, Pete Carroll knows how to coach football. À un moment donné, il va donner à Pete Carroll le crédit qu'il mérite, là. This man, je comprends qu'il a fait une grosse erreur au Super Bowl. Mais en dehors de ça, là, this man knows how to coach football. Non, it's a fact. It's a fact, man. Look what he does with Gino. Dernièrement, j'avais pas de voir des vidéos de Marshawn Lynch qui parle. Non, ouais. Il parle tout le temps. Il a pris la pire décision. Peut-être qu'il a fait le pire play call de l'histoire du football. Mais en dehors de ce plan-là, c'est un très bon coach. Je comprends. Mais un enfant de 5 ans l'aurait fait. Even the best man makes mistakes, man. Depends what kind of mistake. Moi, je suis avec la défense de je suis comme Laurent, je suis pas les Browns. C'est des fois il y a des équipes pour avoir un win, t'as pas besoin de bon QB. Merci. Pour avoir un win, c'est pas qu'ils vont gagner un championship. Ils veulent un win. Merci. Moi, les Seahawks, ils sont bons, mais c'est une autre team qu'ils ont pas vu contre personne sérieux dernièrement. Puis là, je pense vraiment la défense des Browns est legit. Puis comme ils peuvent arrêter Geno Smith. Je pense que Metcalf est blessé. Peut-être qu'il va être là, peut-être qu'il va pas être là, mais je vais aller avec les Browns. Avec n'importe quel QB. Ok? N'importe quel QB. Je voudrais des champions pour être sous bon. Je pense que c'est lui qui. C'est lui le plus gros problème à date. Quand c'est les autres QB, la défense a juste encore plus de pression pour step up, c'est bon mieux jouer. Mais je pense vraiment que. Je pense que les Browns, ils ont une chance d'aller en playoff. Mais en disant en playoff, ils vont se faire smack. Parce que c'est là que tu as besoin d'un QB. Ouais. Mais pour gagner ces games-là contre des teams qui sont environ au même niveau que toi, c'est pas possible. Spenty, je vais prendre les Browns. Let's go! Pour le boxing. Pourquoi j'irais prendre les Browns? Parce que leur défense est legit, on t'a dit. Les Seahawks sont legit. Don't sleep on the Seahawks. Comme l'année passée, t'as ride le Geno Smith train, puis là, t'es en train de débarquer for I don't know what reason. Moi, je prends les Seahawks. The man got paid, that's all you wanted. The man got paid. I'm proud of him. Because the best comeback of the year. Best comeback of the year. That's all. Yo, my guy, man. Get your money, now you're good. That's it. Geno Smith. Man, pass the game là. Gonna win that game. Pass the game là. Kaza. I got Cleveland, moi aussi. Let's go. C'est
Et quand même une décision émotionnelle, je me rappelle des années où Geno Smith jouait avec les Jets et puis je méprisais ce gars-là à cette époque. C'est vrai, il jouait avec les Jets. Donc je vais aller avec Cleveland, malgré le Jets, fait, which they had him now, eh? J'ai doux. Donc je vais aller avec Cleveland, vous m'avez convaincu par rapport à leur défense. Je pense qu'ils vont pouvoir exposer Geno. Donc la game va peut-être aller en overtime, mais je pense que Cleveland va gagner. On va les arrêter, vous. Ça va durer un an. Ils vont le bannir l'année prochaine. Ok. Parce que les autres teams se blessent, c'est bien. Ah, ils vont. Non, ils vont. Je pense que c'est les blessures. Ils vont blâmer ça sur les blessures. Mais ça va être. On parle de fake blessure. On parle du QB sneak unstoppable des. Mais les autres allées n'aiment pas ça parce que je pense que c'est trop efficace. Mais la France, ils vont juste continuer à faire des QB sneak, là, c'est tout. Mais alors, tu vois, les QB sneak, ils vont juste enlever les gars derrière qui ont droit de push le QB. T'as juste pas le droit de push le QB par là. Les gars qui push. C'est pas comme ça qu'ils faisaient. Non. Mais les gars qui poussent Jalen Hurts, faut pas attendre des points. Non. Faut pas attendre des choses pour lui. Non, c'est Jalen Hurts qui squatte. Ah oui, il squatte. C'est ça, c'est ça qui fait l'impact. Oui, Jason Kelsey est un des meilleurs centres de la ligue. Donc oui, c'est ça. Ouais. Bon, last prédiction, on est à NBA. Bengals versus 49ers. Il y a deux fois, mais à cause c'était contre Monday Night plus. Exactement. Big match. Big match. So, je vais commencer avec vous, guys. The God. Je vais prendre 49ers. Sur. Ça fait, maintenant, ça a l'air distant, mais j'avais dit, je vois très bien les Bengals ne pas faire les playoffs cette saison. Mm-hmm. Ils sont revenus. Chaque année, ils commencent mal, puis ils sont revenus. Mm-hmm. Mais ils ont gagné leur win contre des vieilles teams. Mm-hmm. Et puis, ugly wins aussi. Ugly wins, à part de ça. Là, ils vont jouer contre le top dog. Si les gars sont vraiment, comme tout, vraiment blessés, ça va faire une différence. Mais je pense que les 49ers, comme il y a vraiment une différence de gap en niveau de qualité qu'ils ont joué comme les dernières semaines, puisqu'ils vont jouer genre next week. Mm-hmm. So, je vais aller avec 49ers. Mathieu? Niners all the way. Burrow est encore un petit peu blessé. Mm-hmm. Caf, I don't know s'il est à 100%. So, je vois pas les Bengals être si bons que ça contre une très bonne Niners team overall avec ou sans CMC, Debo et Trent. Moi, je vais aller avec... avec Bengals. J'aime leur come up, même si je les ai dish, même si je les ai vraiment envoyé chier. But je veux qu'ils me prouvent le contraire. En tout cas, les 49ers. Parce que mon hate for the 49ers est plus grand que celui contre les Bengals. Moi, je reste juste sur mon stance que je pense qu'ils ne font pas les playoffs. Ouais. Et c'est des games comme ça. Si ils sont capables de battre 49ers, c'est une team qui fait les playoffs. Puis si ils battent les 49ers, tu peux déjà dire qu'ils sont contenders parce que ils battent les 49ers, ils sont back. C'est vrai. Ils sont back. Moi, je pense pas qu'ils sont back et they're losing. Cette game-là va dire son back ou pas. Parce que, tu sais, Burrow, présentement, on dirait qu'il s'habitue comment jouer avec sa blessure. On dirait qu'il s'est adapté, il sait comment bien, puis il sait comment suivre Jamar Chase. Jamar Chase a dit qu'il est toujours ouvert comme un 7-11. J'ai bien mis ce commentaire-là. Quoi, les Cardinals? Facts. Mais si tu reçois des affaires comme ça, you must back up your talk. Puis back up the talk, puis ouais, toutes les games. Là, il y a des bandits qui sont de sa position. C'est ça qui va se passer. Un bandit s'appelle Fred Warner. Le pic qui se pétait sur un drag. Anyway, moi je dis Bengals, cette game-là. Vas-y. Ah, je trouve ça un petit peu difficile de caller cette game-là avant le Monday night. Yeah. Parce que les Vikings, c'était pas une excellente game, équipe de football, mais c'est une équipe physique. Des gars comme Daniel Hunter, Harrison Smith, Jordan Hicks, ex-Eagles, c'est des gars qui frappent ça. Donc je m'attends à ce que les Niners gagnent cette game contre les Vikings, mais sortent maganés. Short week après ça, puis tu rebounds contre Bengals. Au moins, ils sont à la maison. Donc, je vais rester avec les Niners. Les Bengals aussi n'ont pas d'offensive line. Puis les Niners, je pense qu'ils vont avoir un snack toute la game, surtout à la maison. Donc, je vais rester avec les Niners. Je pense que même si CMC ne joue pas, ils ont une chance de gagner cette game-là. Sincèrement, c'était un mauvais match-up pour les Bengals. C'est pas que les Bengals sont nécessairement une moins bonne équipe de football. Je pense que c'est juste un mauvais match-up. Bon. That's it. But Kaza, excuse-moi, Kaza, I got you, Kaza. Sorry about that. J'allais avec les Bengals aussi. Je crois que pour les Niners, ils ont deux games la même semaine. Et comme Jalil vient d'amener le point que Vikings, c'est une équipe qui frappe fort, donc ils vont faire ma gagner. Donc, et en plus, que, comme vous l'avez dit la semaine passée, ils ont perdu beaucoup de weapons. Je pense que les Bengals peuvent prendre avantage de ça. Par conséquent, j'allais avec les Bengals pour gagner. Ok. Bon. Sorry about that. Bon.